avec un peu de chance, ça fonctionne, mon truc. Unité perdue. Je dis bien avec un peu de chance. Ah. Alors. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Oula. Ah, j'ai beaucoup moins de délai. Alors effectivement, de soulager mon ordi principal de la charge. Oh la vache. Donc vous m'entendez vachement mieux au niveau de la voix, c'est sûr. Par contre, le jeu, je suis pas sûr que ce soit la top qualité. Hop là. Bon, j'éteins ma tablette en attendant, parce que le retour que j'ai me plaît beaucoup. Alors. Petite frappe chirurgicale. Alerte. Canon à particules activé. Merde. Ah bah oui, mais si j'ai pas mon clavier. Ah, mais j'ai préservé le bulldozer. Donc si j'envoie un agent. Si j'envoie un agent spécial, je peux récupérer le bulldozer, je crois. Hein. Si je fais pas l'idiot. Avis à la population, ceci est un test. Est un test d'émission. Si vous saviez le bordel que j'ai mis en place, ça fait peur. Hic, pardon. J'aurais peut-être dû baisser mon micro du coup. Je m'entends trop bien. J'ai l'impression que ma voix est trop forte. Attendez. Je re-sauvegarde le bordel. Je re-sauvegarde les bousins. Parce que sinon c'est pas bien. Pépé la... Oh, puis j'espère après je pourrais mettre sous un vrai jeu. Retour. Quitter. Il en charle de paletot. M'en parle pas. Oui, là, je peux inspecter éventuellement ce que je diffuse. Alors, mon cerveau me disait régler le son, la balance des sons. Normalement, déjà dans le micro... Alors, attends, faut que j'arrête de m'envoyer la lumière dans la gueule. Minute. Normalement, au niveau du micro... D'ailleurs, c'est le micro que tu vas éclairer, mon gars. Pardon, je vous mets... Ouais. C'est peut-être plus fort. Non, oui, non. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. Bon, ça fait chier. Je sais pas comment régler le truc. Nope. Excusez-moi, je tripote mon micro, monsieur, dame. C'est important pour la technique. Normalement, ma tronche, vous la voyez vachement bien. Hein. J'y bien normalement. Laissez-moi donc réfléchir, les copains. J'ai réfléchi. Je baisserai le son là, moi. Wisebot. Ouais, mais là on n'entend plus. Si j'atténue 10 décibels, ça m'a l'air correct. Je n'hurle pas, mais en même temps le schmilblick est bien quoi.
Après, c'est comme d'hab, il faut me faire part de vos retours. Quand on a qu'il les murs à offrir un partage. De chaque jour. Quand on a que les mots, communique chanson, communique raison. Alors, je sais pas pourquoi je vous chante du Jacques Brel. Je ne sais pas pourquoi je vous chante du Jacques Brel. Oh, trop stylé, j'ai une barre de... une barre de son en quelque sorte spéciale. Bah d'ailleurs moi je vois mon truc comme ça bien, mais alors ça il faudra peut-être que je le déporte sur le ouais on verra. Mouais. Donc on va dire qu'au niveau du son, je suis conquis. Ça m'a l'air convenable. Alors attends, je retourne dans le jeu. Et on va voir si les tests sont conclus. De nos jours, ah merde, j'ai pas les conflits se règlent avec des mots. C'est la voix à Stallone. Aujourd'hui, les conflits se règlent. C'était pas ma guerre. Nope. Oh, je pense qu'on entend bien. Je serais ravi d'avoir un spectateur, s'il vous plaît, qui fasse le retour contrôle qualité, là, parce que... C'est un boxon, vous avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Oh là 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 là. Le coyote. Oh, bonjour, comment vas-tu? Ah, merci, c'est gentil de te manifester à moi. Je suis dans une phase de test, hein, sur Command Conquer Generals. Qui est devenu un Abandonware il y a peu de temps, donc n'hésitez pas à le télécharger. Bah ces tests, voilà, t'es en plein dedans. J'ai deux PC maintenant, un pour jouer et un pour émettre. Alors, sachant que j'ai tout, entre guillemets, normalisé en PAL, parce que comme j'ai des vieilles consoles, j'ai la PS2 et la PS3, je veux faire le au plus simple et pas, tu sais, changer les interrupteurs à chaque fois que je change d'émetteur entre le PC, la PS2 ou la PS3, j'ai mis en PAL. Donc, les beaux jeux PC, il y a un bridage, il y a un côté un peu vieille télé. Moi je dis ça a son charme, je suis censé le faire dans le rétro. Et là apparemment ça marche. Mais le bazar que j'ai de câbles que j'ai tiré dans tous les sens depuis hier, ça fait peur. Va falloir que je fasse un truc propre net parce que c'est un coup d'ailleurs se casser la figure chez soi. Et je vais très bien, merci le coyote. Bonjour Poupon, waouh c'est bien vous êtes des matinaux. Bon bah Poupon pareil, j'espère que tu vas bien. Oui, pardon, je suis en train de me dire, Poupon, je t'ai même pas fait un petit coucou. Autant j'ai eu le temps de saluer Bastos et Dragon Sky hier, à qui j'ai fait un relais à 2h du mat. Autant, Poupon, j'ai pas... Oui, tu es Michelin. J'ai pas fait de coucou, pardon, mon pauvre Poupon, hier. J'étais complètement accaparé à mes tests. Et ça a été un schmilblick. Ah, t'es un pneu crevé, ouais. Joli. Je comprends mieux. Voilà, j'ai même dû intervertir mes câblages ce matin, finalement, parce que j'avais un problème de captation de son. J'avais l'image, mais pas le son. Mais en fait, j'avais cassé au niveau du HDMI le... Ah, ça fait beau résultat. Ok. Bah, j'ai remarqué déjà que j'avais beaucoup moins de décalage. Saul Goodman me l'a fait comprendre hier... là vous avez un décalage d'à peine 3 secondes donc ça va être très vif. S'il se passe un truc du coup c'est bon, pour la censure ça va être dur mais c'est pas grave.
Pour des jeux temps réel comme les Bibi, ça va être bien. Ça va être bien. S'il y a un truc que vous semblez bizarre, là j'ai baissé la voix de mon micro. Parce que j'étais trop fort par rapport au jeu. Non, vous avez les deux canaux. Vous avez et le jeu et ma voix. D'ailleurs, je vais écouter mon tour tablette. Bon, le son est tellement fait côté tablette que... Attendez. Ouais, on entend tout. C'est très bien. C'est cool. Voilà. Surtout, ne fais pas pause. Bah, c'est quoi cette tablette dissidente? Elle refuse de faire pause. Pour ma part, la balance est bonne. Ok, merci. Je me suis foutu l'éclairage en pleine poire. Non, vous me voyez super bien. Alors là, on voit que c'est encore sommaire. Oh bah tiens, j'ai gagné mon caillou en particules. Si vous êtes la dizaine d'une heure, d'ailleurs, je basculerai vers les bibis, histoire qu'on s'éclate, si ça vous dit. Mais là, on n'est pas assez nombreux, malheureusement. Attendez, que j'essaie de jouer comptablement aussi en même temps. Voilà, CIA, hop, dans le jeu. Je peux voir qui fait Quix. Non, lui, la frappe chirurgicale, ça va pas être possible. Pas être possible. Alerte. Canon à particules activé. Canon à particules. La 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 la. Voilà, ils sont morts cuits rôtis. Et par-dessus, le mec bien sadique derrière le rayon laser. Je tire la mitrailleuse et boum, plus de missiles. Si avec ça, il y a encore des survivants. Ah, oh, c'est horrible. Ce jeu est un vrai défouloir. C'est une partie test que j'ai lancée hier soir pendant, justement, je voulais m'éclater tout en montant tout le bazar. Tu as dû gagner en performance de jeu en capture vidéo, ça se voit à l'écran. Ah, c'est-à-dire que mes réglages peaufinés de ce matin ont été bons. Merci du retour, Poupon. J'ai réfléchi au moment de m'endormir cette nuit. Et encore ce matin, quand je me préparais, et puis que je me débarbouillais la tronche et que je buvais mon café et que je le préparais, je gambergeais en me disant « Ouais, il faut telle norme, le PAL, c'est 50 Hz, tac, tac, ça, c'est tel format, le son, je l'envoie comme ça, clac, clac, clac. » Et visiblement, j'ai trouvé la combinaison gagnante. Ça, c'est cool. Ouais, qu'est-ce que je pourrais tester d'autre? Je pourrais peut-être tester le Haran, là, le... Ça, c'est le plus important. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le fait de prendre deux PC pour émettre. C'est Haran... Merde, comment ça s'appelle? Dying Light. C'est ce qui me bouffe le plus de puissance de calcul. Alors, attendez, on va y aller. Pardon, je quitte Command & Conquer Général. J'ai déclaré test-test en catégorie, hein, parce que c'est... Je vais faire un passage de plusieurs jeux pour voir comment ça se passe. Même un vieux jeu rétro, je serais curieux de voir comment ça se passe. Normalement, ça doit se super bien se passer. Mais... Comment va réagir la capture PAL avec le DOSBox qui est un vieux 640 sur 480? C'est pas sûr. Alors attends, ça je le fais sauter. Je relance mon Steam. Alors là, du coup, vous voyez tout. J'ai envie de dire, je suis entre guillemets, je suis à poil au niveau de l'écran. Il faudra que je fasse gaffe d'ailleurs au moment de la diffusion. Moi j'ai la pleine puissance. Dying Light, bah oui, j'avais fait encore un test hier et on y retourne. On y retourne. La 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 la. Oh, j'ai soif, excusez-moi, je bois mon café au lait. Merde, j'ai laissé ma techno. Alors par contre, mon clavier multimédia ne fonctionne pas avec le Winamp. Ça par contre, c'est pas cool. Parce que j'ai la chance d'avoir un clavier avec des touches multimédia. Il faudrait que je les attribue au Winamp. Attends, comment je peux faire? Je regarde ça sur le secondaire. Qui est géré du coup par la deuxième carte graphique qui est peu puissante. J'ai optimisé aux petits oignons, vous avez pas idée. Mais encore merci à vous d'être là pour vos retours de ma phase de test. Bon samedi à vous. J'ai dit que j'allais gérer les touches.
Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Aran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé... C'est ma faute, excusez-moi les copains. Je vais changer le volume, bougez pas. Histoire de pas vous faire saigner les oreilles. Ouais. Je pense que comme ça c'est vidéo. Est-ce que je peux mettre le générique? Ah non, merde, oui, vidéo dans le sens... Surtout la musique, ouais. La musique est encore trop forte. Oh mon Dieu, on ne l'entend plus. Là, c'est bon. Ok, merci. Peut-être éviter d'avoir un vacarme d'enfer. On va essayer comme ça. Chaque jeu, il faudra que je profite nos petits oignons. Oui, autant faire continuer dans les médias. De toute façon, je bougerai pas de la tour. Je suis dans la tour, là. Oui, donc je me disais que... Global Hotkey. Ah, attends. Qui... Non, oui, non. NAM défaut multimable qui supporte. Yes, I need. Will process media related W command message. CMSD. Enable. Add. Add. Mais non, mais il est. Mais non. C'est pas ça. C'est l'action, je l'ai changé. Hotkey. Oui. Ah oui. Attendez, je suis en train de programmer mon clavier multimédia. Magnifique. Alors je triche. Attends. Ah non, play pause, c'est ça. Remove et remove. Alors là, du coup, vous voyez pas ce que je fais, mais en fait, je suis en train de programmer mon play pause. Tac, tac, tac. Playback stop, c'est stop. Ouais, c'est ça. Remove, remove, remove. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Preview. Preview in the playlist, c'est ça. Next in the playlist, c'est ça. Après, monter, descendre le volume. Oui, bah, je peux le faire comme ça. Volume down, comme ça. C'est ça. Et volume up comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Ça, je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Ouais. Ouais, CTRL, ALT, L. C'est un peu... Je vais le garder pour le principe, mais... OK, restoration failed. As another program has already registered to following hotkey. Hein? Ah, pour changer les... Ouais. Mais bon, si je reviens au jeu. Et le temps que je passe des manips dans l'écran secondaire, Poupon, tu comprendras que je perds le focus. Et de facto, le jeu bascule automatiquement du plein écran au fenêtré. Parce que sans quoi, j'aurais pas mon curseur de la souris, il serait prisonnier du jeu. On entend des ventilos apparemment. Oui, c'est mon ordi principal qui carbure.
Faut bien qu'ils se refroidissent un peu quand même. Dans mon futur chez moi, j'arriverai peut-être à faire en sorte qu'on ne l'entende pas. Mais là, c'est raté. Là, je pourrais pas faire autrement. Mais la perfection viendra un jour, en peaufinant... J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Oh, ça me fait bizarre d'entendre le jeu bien et ma voix en retour. Hey, mec, je regarderai bien les trucs au tableau. Qu'est-ce que vous me dites, les gars? Alors, je reste dans la tour juste pour tester. Oh, debout, garde à vue. Garde à vue aussi, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être des trucs à se reprocher. T'as le mec, il m'offre une balle composite, c'est beau. C'est beau, symboliquement, je la prends. Oh, Zex de Citron, bonjour. Eh oui, tu m'étonnes que c'est des tests. Ça y est, j'ai basculé en mode 2 PC. Oui, vraiment, si vous êtes 7-8 d'ici quelques minutes, je bascule dans les bibis et puis je peaufinerai mes réglages et on fera les mémus en bibis. Ouais, donc lui, ça réagit bien. On va regarder rapidement un peu dehors. Je veux voir l'extérieur, le coup de... Est-ce que c'est fluide? Oui, j'espère que t'as la pêche, Zex de Citron. Ah, oh, c'est beau, la lumière du Yule. La lumière du Yule. Alors, je ne sais déjà plus jouer, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oh, la tenue que je me suis prise pour le perso. C'est fluide, on est d'accord. Mon poupon nous avouait tout à l'heure qu'il avait un peu de fatigue, mais vu tout ce qu'il a fait en semaine, ça ne m'étonne pas. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais je me suis fait bobo à la langue. J'ai la langue qui me pique, c'est désagréable. Oh, il y a un escabeau. Burp. Bon, on est d'accord, c'est fluide. Je vais remater mon retour sur la tablette. Moi, j'ai du 30 images secondes stabilisées. Alors, il y a un effet de fantôme lors des déplacements et des... Ah merde, c'est peut-être la limite de la capture là qu'on est en train d'atteindre, Poupo. La résolution du jeu, elle est en combien? Ouais, en 720 plein écran. Ouais, bah c'est la bonne. C'est la bonne. Parce que si je dis synchro vertical. Ok. Là, je demande la synchro verticale, ça doit être mieux. Je suis passé de 30 à 60 images secondes. Parce que le PAL, c'est 50 images secondes. Alors, entre 60 et 50, ça fait... Non, c'est pareil, ça va être la capture... ouais, en effet, ouais. En effet. Ouais, mais là, je pourrais pas faire de miracle parce que ma capture, elle est à fond. Alors, Zex, tu me dis, je vais bien, je vais te suivre en travaillant. Ah bah, bon courage pour le taf, mon cher Zex. Merci à toi d'être là. Moi, de ce que je vois de mon retour de tablette, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette animation de feu. I set the rudder on fire. Ça me plaît bien. Parce que souvenez-vous, il te faudrait une carte plus puissante, je pense. Ben, j'en suis pas sûr, Poupon. Je pense pas que ce soit... Oui, parce que ce que tu sais pas, Poupon... Ma capture, c'est un cigare USB. C'est le Grabit Teratec. C'est ce qui me sert de capter mes consoles. Il faut que j'ai un truc universel à l'entrée du portable. C'est un portable que j'ai. Donc, je sais qu'il existe onéreux chez Elgato, la version captation en USB pour du HDMI.
Mais en fait, j'ai acheté ce HDMI-là de Elgato, malheureusement, en carte PCI Express. Ce qu'il faudrait à terme, et ce ne sera pas dans les mois à venir, malheureusement, il faudrait que j'ai un deuxième petit PC du genre un Shuttle, où je puisse insérer ma carte d'acquisition, justement, en HDMI Elgato, le HD Pro, là, en PCI Express. Et là, je suis plein aux as. Parce que je pourrais même changer mes configs de console. Il n'y a que la PS2 où je devrais lui dire qu'il faudra que tu les mettes en HDMI, ce qu'elle ne fait pas nativement. Il faudrait que je convertisse, mais dans le sens contraire. Passer de l'analogique vers le numérique. Alors qu'en ce moment, je fais le contraire pour casser la protection de la PlayStation. C'est bizarre, mais voilà quoi. Stick. Alors, Elgato est juste plus puissante en stock USB. Ouais. Je vais voir ce qui me reste en pièce, je te donne ni délai ni promesse. Non, sois pas fou, Poupon. Ça va pas encore me gâter, Poupon, t'es adorable. Déjà que j'ai pas encore essayé de manipuler ce que tu m'as offert pour les promenades. Il va falloir que je fasse d'ailleurs sous peu, parce que le printemps arrive. T'es trop généreux, Poupon. Mais c'est déjà pas mal ce que j'ai. Ouais, oui, non mais attends, on va pas te ruiner non plus, Poupon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi je trouve que c'est pas mal. Le but, en même temps pour moi, c'est d'être le plus à l'aise possible une fois que j'ai bossé. Ouais, c'est déjà bien mieux. Bon, tu vois, ça me rassure. De me dire que j'ai un truc quasiment universel. J'ai mis en palme, mais j'ai la PS2, PS3 et l'ordi sans me poser de questions. Après, il faut que je retravaille mon habillage. J'ai juste remis ma tronche en caméra à l'angle. Il faut que je remette mes gadgets que j'aime bien. Le titre, les valeurs en vrai avec l'horloge. Ouais, hein, c'est dur. Il a fait du terrassement Poupon. Avec du chabotage. Du chabotage sur la dalle de béton. Poupon, il nous a montré... Il a beau avoir mis ses chats confinés dans la maison. Il y a les chats des voisins qui ont signé de leur patoune la dalle de béton bien fraîche. C'est terrible quand même. C'est terrible. Alors je pense que là on devrait entendre le coucou. Le ding ding dong là. Mes carillons, vous devriez les entendre maintenant. Comme j'ai activé le truc Wisebot. Bon, ça a l'air concluant. Je vais peut-être retourner sur le toit, là, dans l'histoire. Pour être sûr que ça tourne bien. En même temps, j'ai pas un jeu plus gourmand que les zombies. Merci. Prendre l'ascenseur pour monter. Ne reste pas planté comme un piquet. Fais quelque chose. Ah merde, faut juste appuyer sur le... C'est ça. Est-ce que je peux approcher la caméra? Non, je peux pas faire plus. J'ai vraiment mis la caméra au taquet. Au moins, vous me voyez bien. La tour. Test OK. Comment je fais pour aller sur le toit? Ou je reprends une partie d'escalier, je crois. Ils sont vraiment forts, ces chats, pour aller là où il faut pas. On n'arrive pas à les tester après ça, à moins que... Mais non. Tu ressembles à Gandalf jaune avec la barbe jaune. Ah. Là, on est d'accord, vous avez entendu le carillon. Là, je pourrais donner la messe dimanche. Avec un effet écho. Voilà, là, je suis sûr. Excellent, ce son mort de rire, ça m'a rappelé les fleurs hilaires dans le jeu Tombi. Ok. Non, mais bon. Mais j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait. Non, c'est moi qui m'étais arrêté dans le jeu, j'ai cru qu'il y avait un lag. Là, sur mon jeu à moi, mon écran, j'ai 60 images secondes. Vous devez en avoir 50. Ah non, j'en ai 50 au niveau du périphérique et après j'en ai 30 parce que je suis en norme pâle.
Non, c'est bien, c'est concluant. Alors, si je quitte le jeu... Un peu fort les sons Wisebot pour ma part. Ok, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Ouais, t'es d'accord sur le... au niveau de ça, voilà, les notifications, je peux baisser un peu le son. Sur... Allez, je vais réduire de... Voilà, d'un tiers. Ça devrait être pas trop mal, du coup. Afficher le bureau. Merde! Ah oui, ça me le fait sur l'écran secondaire aussi. Con. Du coup, je perds mon... Mes indications de chat, moi. J'ai pas l'air idiot. Ah ouais, alors je vais faire un test aussi avec Winamp, mais dans un jeu. Donc, par exemple, on va lancer les bibilles. Je m'entends gémir dans la tablette. Alors, pendant le no-si, on a une perte de ta jolie voix. Ah. Et oui, c'est logique qu'il y ait une perte de ma voix. Puisqu'il essaie de recapter à nouveau le signal, puisqu'il y a des changements. Ah bah tiens, autant programmer une mise à jour. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, il faut que je lance un jeu. Oui, il faudra que j'identifie les moments où je dois la boucler. On va jouer au jeu « Devinez le mot que j'ai dit ». Quoique, vous devrez pouvoir lire sur mes lèvres, puisqu'au moins la caméra reste dans l'angle. La qualité de l'image de capture doit effectivement venir du boîtier. Les résolutions semblent bien upscalées. Bon, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il est bizarre le Marble on Stream quand il démarre avec le gros écran noir. Il pourrait pas mettre une petite image rapide de dire... Ça fait peur, on a l'impression que le truc a cassé. Je vous mets la belle Marble Century, j'aime bien, mais il y a le dojo qui est pas mal non plus. Allez, on va se faire le dojo. Vous pouvez déjà faire point d'exclamation play si le cœur vous en dit. Alors là, vous allez voir que c'est ultra ultra rapide. Voilà, c'est que The Zitron, clac. J'ai regardé le délai entre le moment où vous écrivez play dans le clac et ça. Oh, c'est instantané pour moi. Oh la vache. Même mon retour, c'est clac, clac, clac. Eh, comme quoi j'ai bien fait de passer au mode 2 de PC. Hein. Rien que pour la vigueur du direct. Ah ouais, c'est énorme, Poupon. C'est très très vif. Bon voilà, comme il n'y a plus que vous deux, je mets direct tout de suite le départ de la course. De toute façon, c'est l'intérêt n'est pas là. L'intérêt pour moi est de... Attends, qui c'est qu'on va suivre? Zex de Citron, t'es où? T'es là. Oh, avec ton bel avatar. C'est bon, ça. Alors, normalement, là, je suis en jeu, je suis en plein écran. Ah, mais je suis pas content. Je veux de la musique. Et là, j'appuie sur mon clavier, et c'est le drame. Non, ça a l'air de marcher, c'est bien. On va faire plus fort. Et là, j'ai tout au clavier. Ce soir, non, ce matin, je suis disque jockey. Ça pulse un peu trop. Ah ouais, je te le fais pas dire. Yeah. Ça, c'était dans combien de conquers qu'on les a pulvérisés. Oh, j'arrive plus à parler, je bafouille. C'est l'émotion, les garçons. Attends, moi j'ai une musique que j'aime bien. Faut que je la retrouve, c'est tout. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est ça, 18 siècles est dans la place. Ouais, ça me rappelle mes réflexes de disque jockey. Oh, ma bille a été éjectée, c'est ok. C'est scandaleux. Oh, Poupon, j'allais dire, t'es presque bien. Non, j'ai. Ouais. Ouais, c'est dur de battre leur corps de une scène. Il a fait fort.
mais rien n'est impossible. Et ben, je suis en joie. Je suis en joie parce que c'est cool. Ça fonctionne bien, mon truc. Donc, je le ferai pas aujourd'hui, encore que. Peut-être que je le ferai ce soir, je sais pas. Il faudrait que j'intègre le mon petit logiciel avec les stats dans le signal. Le problème, c'est de changer de scène au niveau du portable. Comme j'ai pas le clavier, il faudra que je réfléchisse à un truc. Mais oui, bonjour, tu une scène, il est peut-être planqué. Tu peux être fier de toi, c'est jamais évident de la config de PC. Oui, merci Poupon. Oui, en tant que technicien informatique, toi aussi tu connais les joies du paramétrage. Ah merde, Zex, j'ai pas vu que ta bille avait chuté dans le vide. Alors que Poupon, tu vas pas battre le record de... J'y ai cru, mais non. Je me fais avoir toujours avec le côté graphique. GG Poupon. Random track, vas-y, j'en balance une autre parce que je réfléchis en même temps. Ça me permet de vous donner du contenu pendant que je fais mes tests et que je me creuse le cerveau. Tac tac. Oui, je me joins à vous. Oh, il y a des trappes sur cette piste. C'est quoi cette horreur? Procedural Adventure. Je m'en souvenais plus. Ah bon, on l'a jamais faite. Ah, c'est une carte intégrée au jeu, on l'a jamais faite. Elle doit être toute nouvelle. On n'a pas de record local. Il y a qu'un record du monde. Ah bah, vous serez pas venu pour rien, là, en participant. Attendez, je lance maintenant. Clac. On va écourter de 20 secondes le compte à rebours. Alors, les scènes, je vais pouvoir les remonter petit à petit côté... Ah bah, d'accord. Direct. Le premier prêche, Poupon, pouf, dedans. Il reste plus Zex de citron. Oh, la violence. Ah non, mais... Voilà. J'ai pas compris non plus. Je réfléchis de face caméra. Ça doit être très troublant pour vous. Parce que il faudrait que je puisse... Mon portable est à portée de bras, mais loin. Comment je pourrais faire pour changer les scènes après? Il faudrait presque que je le fasse avec une manette de jeu vidéo. Que je puisse dire je change de scène, tac, tac, tac. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc dans le genre. Ce serait bizarre, mais valable. Il me reste encore un port USB non exploité sur l'ordi portable. Donc je pourrais y mettre la... Grandir les bras, oui, bien sûr. Non, mais c'est quoi cette map? C'est honteux. Ouais, non, mais je la connais pas, hein, la carte. Comme tu peux voir, il n'y a pas de record locaux. Donc avec un peu de chance, si tu tombes pas Zex de Citron, tu vas inscrire ton nom sur la chaîne. C'est bien, tu auras ton record local qui, à mon avis, tiendra un petit moment. Vu le côté sadique de la piste, j'aime beaucoup la musique. Elle est superbe, la musique. Là, petit samedi matin, peinard. D'ailleurs, je rebois mon café parce que je parle, mais je m'assèche le gosier. Attends, j'ai un peu trop d'éléments sur la table. Avant que je mette la flotte là, c'est pas comme s'il y avait de l'électronique partout qui court avec des câbles sur toutes les surfaces. Je renverse un truc, je suis mort. Et puis il y a un incendie chez moi, c'est les boules. GG Zex de Citron, il l'a fait, bravo. Ma biche joue la sécurité, elle reste collée sur les bords. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Le plus dur, c'est le début. C'est le début. Je pense qu'il y a moyen avec une petite manette de jeu vidéo qui me reste. Enfin, j'en ai plusieurs à vrai dire. Mais une petite simple, je pourrais avec la manette, clac clac, dire je change de scène. Je bascule d'une scène à l'autre, ça pourrait faire très pro. Je garderai d'une main le clac 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 clac, ce serait pas mal. Je vais essayer de monter ça dans les jours à venir. J'entre dans l'histoire de Mumble Stream. Bah, du moins localement sur la chaîne, oui. Merde, je suis un abruti, j'ai oublié de start et de faire join. Excusez-moi. C'est ma faute.
Endurance test. Ah, Nayonel record en 2-10. Bon bah. Ah bah le coyote, bienvenue dans la partie de Bibi. Allez hop, je lance. J'écourte le compte à rebours. Tiens, on va suivre le coyote pour le coup. Comme il a pris le temps de poser sa bibille. Il est où le coyote? Il est là le coyote. Oh, l'avatar stylé de le coyote. Oh. C'est marrant, on dirait. Il me fait penser à Barry Burton de Resident Evil en version un peu Rambo mercenaire. Et là, tu vas me gueuler dessus, tu vas me dire, mais non, tu le reconnais pas, c'est le héros de tel jeu. À cela, je répondrai, je suis désolé. Je connais pas tous mes classiques vidéoludiques. Alors. Je tiens quelque chose, les amis, je tiens quelque chose. Elle est géniale cette musique. Je vous laisse en pleine course, le devoir m'appelle Zoubi, encore bravo, ça je lance. Oui merci, bisous, merci, merci, bon week-end à toi, Poupon. A plus, à la revoyure. Profite bien de ton week-end. D'ailleurs, il faudrait que je puisse changer de catégorie. Ah non, je refais un truc propre. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un test pour le changement de catégorie. Mais depuis le chat, en fait, pas depuis l'interface OBS. T'aurais pas battu une nouvelle fois un record local et t'aurais détrôné Nayonel. Je suis intrigué. Ah, ma bibi à la traîne. D'ailleurs, elle a frôlé la correctionnelle. Là, elle a lorgné le bord de la piste. J'ai un doute, Zexo Citron. Est-ce que t'as fait mieux que 2-10? Ah non. Ça s'est joué à une seconde et quelques centièmes. Donc en fait, il y a Nayonel qui garde son record. C'est con, mais je grignote des points d'expérience. Si ça vous dérange pas, on joue au bibi jusqu'à ce que je déverrouille mon bonus, s'il vous plaît. Ça m'arrange, hein, vraiment. Au moins, ce sera fait, et puis... Et puis, on passe déverrouiller un emplacement de bibi. C'est bien, donc la prochaine fois que je relancerai, j'aurai 4 bibi. Oui, ça me va, je gagne. Tu m'étonnes. Ah, c'est malin. Le bon plan en direct. Ça m'empêche pas de continuer à cogiter. Et plein d'exclamations play, c'est pas tout de rigoler, mais n'oubliez pas de placer vos bibis, les garçons. Parce que sinon, ça va pas le faire. J'ai déjà eu 2 courses où j'étais seul en piste. Et là, vous avez un sentiment de solitude qui est terrible en direct. Oh, il faudrait presque que je fasse un test, vous savez quoi, derrière ça, dès que j'aurai mes points là d'emplacement, il faudrait que je fasse un test aussi avec Minecraft. Minecraft bouffe de la puissance graphique aussi. Il est juste derrière le jeu de zombies, honnêtement. Oui, l'arrivée est par là-bas, donc je vais mettre la caméra comme ça. Oh, le record local doit être battable par rapport au record mondial. Nashevman avait signé un 2,42, presque un 2,43, parce que... Ah, bonjour FunFan, comment ça va? Je vois que vous saluez FunFan. Bonjour FunFan, comment ça va? T'as réussi à bien dormir? Parce que c'est vrai que je vous ai traîné jusqu'à 2h du matin hier,
quasiment. J'en suis désolé. Merci, heureusement que vous êtes là. J'ai peaufiné, j'ai changé mes réglages encore ce matin. J'ai débranché et rebranché les bons câbles, mon cher FunFan. Je n'ai jamais eu autant de câbles chez moi, on dirait une toile d'araignée, en plein salon. Ça fait peur. Mais la qualité est là. C'est bien, la prochaine course, tu vas pouvoir placer ta bille, FunFan. Parce qu'il faut que je réfléchisse à reconstruire mes scènes. Avec tout l'habillage que j'avais habituellement qui était classe. Et je réfléchis à un système de... Je change de scène, pas au clavier, mais à la manette de jeu, depuis le portable. Alors, FunFan me dit... Je me disais que tu serais en diffusion qu'à partir de 10h. Oui, bah, tu vois, j'ai réussi à me lever assez tôt. Naturellement, en plus, hein, sans réveil. Je suis réveillé un petit peu avant 9h du mat. Donc, le temps de me débarbouiller la tronche et de préparer mon café. De faire les branchements, de lancer. Je crois que j'ai démarré à émettre à 9h30. Donc, on a fait un petit test avec Command Conquer et un joli test avec les zombies d'Aran, Dying Light. Et une fois que j'aurai là sous les bibis, j'aurai mes points fidélité pour avoir un quatrième emplacement. C'est l'objectif de ce matin dans ma phase de test. Je vais tester Minecraft pour voir si le rendu est tout aussi bon. Alors là, pour info, les bibis sur mon écran principal, il me dit que j'ai 90 images secondes. Il a une aisance déconcertante de calcul. C'est ultra fluide pour moi. Même presque trop. Pardon. Je serais presque tenté de brider le jeu en 60 images secondes. 90, c'est trop, là. De lâcher les chevaux comme ça, c'est nimp. Ah! Bah merde, alors. Il y a vraiment des parcours bizarres. Donc le coyote, t'as peut-être... Ah bah c'est sûr! Le coyote, vu le chrono, t'as battu le record de Nash Evman, mais alors quelque chose de bien. Eh bah c'est bien, tu vois, le coyote, toi aussi, tu marques de ton empreinte les chronos de la chaîne. Ah, ça va me faire une variante de pseudo dans les cartes, ça fait plaisir. Oh la vache! Alors l'ancien record local est à 2,42 par Nash, t'as fait 2,14! Wouh! Eh ben tu vas y rester longtemps, le coyote. Allez, course suivante au pifomètre. J'ai bien, tu vas pouvoir faire mumuse, FunFan, et placer des bibis. Allez, start, joint, go. Allez-y, placez vos bibis. Ouais, c'est le toboggan de parc d'attraction, là. Avec le kraken. Ouais. Point d'exclamation play, comme j'aime le dire. Elle est pas mal celle-là, le coyote il gagne, mais il a tapé tellement fort arrivé qu'il s'est éjecté. Oui, ouais, c'est la violence. C'est vrai qu'il s'est viré du ramequin d'arriver. Ah, le record local là il est détenu par Christella. Donc là je dis, par exemple, je n'aime pas la musique, donc je l'arrête au clavier. Nickel, ça fait rien sauter et je gère la musique avec les touches multimédia de mon clavier. C'est le pied quand même. Là, je remonte en arrière et je le vois dans ma liste de lecture. Je peux choisir le... Ah, Aerofunk, j'adore. On va s'écouter Aerofunk. C'est génial. Quand c'est bien configuré, c'est un régal. Un pur plaisir. La technique fonctionne à merveille. Allez, on va te regarder, monsieur 11 cm. Monsieur, une longueur d'avance. Et c'est scandaleux. Ah merde, je suis en train de voir que j'ai un cap qui est en train de passer sous un autre et de mettre de la tension inutilement. Voilà. Ouais. 100% de divertissement ce samedi matin. Ah ouais, merci à vous d'être là, les copains. C'est cool d'avoir vos retours au niveau de critères qualité. Ah merde, j'ai essayé une notification Discord. Je me disais, c'est marrant, j'entendais un toutouk de Discord, mais oui, je l'ai laissé en arrière-plan. Oh, Zex du Citron. Ah,
T'as pas battu le record de Cristela, mais c'était pas loin. Ah, c'est ta dernière bibille. Voilà, là, t'as atteint l'arrivée. Oula, elle est en retard, ta bille principale, Funfan. Trop bizarre. Ouais, c'est bon, elle devrait te tirer d'affaire quand même. Ouais, la musique ambiance bien. Hein. Ah, c'est des titres que j'aime beaucoup. Et c'est de la musique libre. Vous trouvez sur Dogmazic, par exemple. Oh, comment ça, 4 points d'expérience? Ah, c'est truqué, tout à l'heure il en donnait plein. Comment ça marche, les points d'expérience? De là, il va falloir que j'en fasse 50 avant d'avoir ma récompense. Oui, t'as la bille en feu. Oui. Ah merde, c'est un truc de course. Oh non, là on met un tour. Hein. C'est pas drôle. Deux tours. Bon. Allez-y, placez votre bibille. Oh, la musique elle est vraiment extra. Oh, je vais pas me mettre déjà à bosser sur le changement de scène. Faudrait que je regarde dans BS. Attribuer un raccourci clavier, enfin un raccourci manette. En même temps, je serais tenté de faire la minute maintenant, mais c'est peut-être pas raisonnable. Ouais, non, j'ai pas remonté mes scènes. Faudrait que je refasse ça hors antenne. Ah merde! Petit Seb a une coupure électrique. Ou alors c'était scénarisé, peut-être. C'est dans son jeu, pas dans la réalité. Parce qu'il vient de prendre son antenne, Petit Seb, en disant j'ai une coupure électrique. Non, mais c'est pas moi qu'il faut voir. Zexistron, par exemple. Voilà. Par rapport à la ligne d'arrivée, il faudrait que je... Voilà, en opposé, je fais comme ça. Putain, on dirait un personnage de Playmobil au loin. Trop bizarre. Et le titre d'après est vachement bien aussi, Darkseid. Donc c'est Hades Vapor. Hein. Ah oui, vous voyez plus? Ah oui, ça c'est emmerdant ça. Là j'y avais pas pensé. Mais je peux plus faire mon montage de ces tels titres audio. Ah, il faudrait que je déporte la musique sur le... Ah non, c'est pas possible. Merde. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je vais perdre le signal vidéo au niveau du titre... Du titre audio joué. Ah, c'est con ça par contre. Il faudrait presque que je prévoie une commande Discord. Discord. Une commande Westbot en disant... vous demandez quelle est la musique et Westbot vous répond en inspectant ce que je suis en train de jouer sous Windows. Je sais pas si ça peut se faire. Ah ouais, merde, j'avais pas pensé à ça, voyez. Ça soulève d'autres problèmes techniques, cette nouvelle config. Parfois, je pourrais tricher en glissant véritablement ma fenêtre Winamp dans l'écran principal, que je vous renvoie. Mais bon, c'est un peu bancal après. Ah ouais, c'est ballot ça. C'est ballot. Oui, on voit, on a perdu le coupon en spectateur. On s'est déconnecté, on est passé de 5 à 4. Ah, là au moins c'est cohérent. Je pilote pas ma bille, mais la musique et le focus sur ton écran créent une tension digne d'un grand prix. Ouais, hein, c'est ça, c'est stylé. Ah, Funfan a instauré un. Voilà, il m'a donné 49 d'XP. C'est peut-être la durée de la course en fait.
Bah c'est bien, FunFat, t'as encore inscrit ton nom dans un record local. Encore ? Bon, là aussi, j'ai pas de record local, donc tentez votre chance. Ah, ah, ça soulève des défis intéressants. Parce que déjà, Westbot, dire une commande pour que vous puissiez interroger mon ordi et qu'il vous retourne quelle piste je suis en train de vous jouer. Il faudrait que Winamp crache le morceau, mais comment ? La logique, faudrait que ce soit une API, mais je vois pas comment. Oh. Ouais. C'est trop bizarre. Oui, bien joué le coyote, oui, il était pas trop tard. Tiens, du coup, on va suivre ta bibi. Oh, t'es deuxième. Problème technique. Pour toi, le problème technique, le coyote, j'espère, parce que pour moi, tout a l'air d'être bien. Vous allez me faire flipper en disant ça. Oui, chez toi. Ah, ouais, désolé, coyote. J'en suis navré. Ah, j'adore. C'est là où je suis dans ma bulle. Parce que j'essaie de résoudre des problèmes informatiques. J'aime bien relever ce genre de défi. Comment, via une commande Wisebot, vous pourriez avoir le titre qui est en train d'être joué sur mon Winamp? Je suis sûr qu'il y a moyen de rafistoler les deux. Est-ce qu'il serait fortiche? Il faudrait que j'essaye de faire dans un habillage dynamique sous OBS. Il affiche en textuel, donc un texte qui présente le titre du jeu, qui correspond en fait à la variable, la catégorie déclarée sous Twitch. Ce serait le summum. Je serais quasiment en mode automatique. J'aurais quasiment plus rien à faire. Ce serait énorme. GG, Zex de Citron. 4 petits points d'expérience de chiottes. Oh, les escrocs. Ouais, je vais mon quatrième emplacement de billes, moi. Ouin, ouin, ouin. Oula, je sais que c'est un trop de fou. Wouhou. Wouah, mais c'est une nouvelle carte, ça. Trop bizarre. Ça doit être la carte nouvelle de la saison actuelle. Tu connais quel langage de programmation, le sage de Nancy? Alors, gamin adolescent, j'ai commencé avec la base, le basique. Le basique, quick basique, j'en ai fait des années. Je faisais mes propres jeux vidéo, d'ailleurs. Quand j'étais pas content de pas avoir un jeu vidéo, je me le programmais. Ça forme, hein, croyez-moi, ça forge. Après, j'ai essayé d'apprendre par moi-même le langage C. J'ai la chance d'avoir un gros bouquin, là j'ai dû le mettre dans les cartons. Un gros bouquin de la taille d'un dictionnaire. Hein. Mais je suis pas allé loin avec le langage C. Parce qu'il est universel. Par exemple, il y a des cages d'ascenseur qui sont programmées en langage C. Et j'ai essayé de me frotter au C++, donc c'est-à-dire orienté objet. Vous avez des pavés en fait qui correspondent à des fonctions, à des trucs précis. C'est mieux structuré le C++, orienté objet, je préfère. Oh non, c'est énorme. Tiens, FunFan, on va suivre ta bille. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah, c'est excellent! Ah, cette animation! Ça m'a troublé! Donc, le C++, j'étais pas doué, j'en ai quasiment rien fait. J'ai fait des programmes très basiques, mais j'arrive pas à m'en sortir pour faire des trucs en éléments graphiques. Et ensuite, quand j'étais étudiant en BTS, en informatique, on m'a enseigné pour le web le PHP et l'ASP. Alors, je préfère le PHP, sachant que l'ASP c'est un équivalent, mais c'est à la sauce Microsoft. Et je supporte pas la philosophie Microsoft. Donc, l'ASP j'en dégueulais, j'aimais pas du tout.
Alors que PHP, j'ai réussi à programmer mon site d'artiste, par exemple. Vous allez sur digipsycho.free.fr. C'est moi qui ai programmé de mes petits doigts l'intégralité de mon site. Message de Fanfan 1992, test. J'ai changé ma voix pour une japonaise. Oui, c'est plus fun polyvalent PHP. C'est bizarre. Je crois que vous pouvez lui faire dire PlayStation à la japonaise. Enfin, Fanfan, pardon, parce que c'est mon modérateur, il a le droit. PlayStation. C'est rigolo. Et après, j'ai en universel, en web, le langage Pascal. Et bah, par exemple, le langage Pascal, c'est mon application de compteur, là, que vous ne voyez plus aujourd'hui, désolé, que j'ai programmé en Pascal, par exemple, qui fait le lien avec Wisebot et Twitch. C'est avec le langage Pascal que j'ai réussi à la programmer. Donc voilà, on va dire que je connais 4-5 langages. Après, est-ce que je connais d'autres langages de programmation? Je crois pas. J'ai pas essayé Perl, j'ai pas essayé... Ah si, j'ai essayé Java. Là aussi, Java, on nous l'enseignait en BTS, j'aimais pas du tout. Oh, Java, j'adhère pas du tout. Et pourtant, Minecraft est programmé en Java. Le langage japonais, c'est autre chose. C'est pas de la programmation, c'est de l'élocution, communication, Gunfan, évidemment. Roller. Mais je le baragouine, le japonais, comme tu le sais. Allez, carte au pifomètre. Bonjour Christella, comment ça va? T'es une demoiselle, je lève mon chapeau. J'espère que tu vas bien ce samedi matin. J'ai failli dire dimanche. Je suis troublé d'hier soir en fait. Merde, pardon, il faut que je clique sur les... Ah! Ma manette vient de se casser la gueule. Attends, je vais la mettre là, comme ça elle tombera plus. Puis elle va encore tomber, je sais pas pourquoi. Ouh, j'aime pas la tension dans le câble. Je vais la mettre comme ça parce que si je bousille la manette, je serai triste. Oui, point d'exclamation play pour ceux qui veulent placer votre baby, le temps que je réfléchisse à peaufiner mes trucs. Donc c'est bien, je contrôle le son au clavier. Pour vous, c'est transparent. Mais vous avez perdu l'info de quel titre je vous joue. Ça, il faudra que j'essaye de trouver une commande Westbot pour qu'il vous crache le morceau pour ceux qui se posent la question. C'est dommage, moi qui veux faire la promotion de ceux qui composent gratos. Du coup, là, ça me casse un peu. Il y a Farnum, Electric Rain, il y a Grenac. Ah ouais, Red Nebula, c'est bien comme musique. Attendez, je vous mets du Red Nebula. Play. Aïe! Prompt. Qu'est-ce qu'ils disent, Exe Citron? Ils m'interpellent. Ah bah tiens, Christella nous fait la gentillesse de se joindre à nous au Bibi. Oh, c'est beau, la structure en bois. 30 secondes, Exe Citron, je vais te lire. Hein. Voilà. Tu m'as dit quoi, Exe Citron? Tu as les bases de l'essentiel des langages de programmation. Du coup, tu seras à l'aise pour aller vers des langages style Python ou JavaScript. Alors, Java, j'accroche pas la philosophie, la syntaxe. Python, j'ai pas essayé Python. Pourquoi pas? Alors, Christella dit, tu as réussi pour le son du jeu? Oui. On a fait des tests tout à l'heure. Poupon était là ce matin, il m'a aidé pour le zombie, le Aran. Et on a fait du Command & Conquer et ça marchait tip-top. J'ai refait tous mes branchements d'audio-vidéo ce matin. Et j'ai pu commencer à émettre il y a une heure, à 9h30, et c'est nickel. J'ai bien gorbergé, en fait, Christella. J'ai trouvé la combinaison gagnante. Mais là où je perds, en fait, c'est que je peux plus tout vous afficher. L'affichage de mes compteurs reviendra plus tard. Il faudra que je mette mon petit programme sur le portable et que je l'inclue dans la scène de ce que je vous envoie. J'aimerais faire un changement de scène via une manette de jeu vidéo sur le portable, que juste à faire gauche-droite pour faire des transitions classe. Sur le portable, ce serait bien. Je pense que je peux faire ça. Et interpréter les touches de la manette comme un raccourci clavier. Il y a des programmes qui existent. Et vous perdez le titre. Le titre que je vous joue, là, vous voyez plus rien. Moi, je vois que c'est Red Nebula, You Mine. You're Mine. Ouais, le son fonctionne. On va faire un test sous Minecraft tout à l'heure, Christella. Je reste dans ma phase de test, là, encore une heure, je pense. Parce que j'ai des petits trucs à peaufiner, à bidouiller. Bravo Christella, mais t'as pas battu le record local. Mais c'est pas grave, course suivante. L'image est pas top. Ouais, mais l'image. Alors, bonjour Torota.
Vas-y, n'hésite pas à joindre les bibis si le cœur t'en dit, vous êtes les bienvenus. J'espère que tu vas bien ce samedi matin, mon cher Torota. Moi ça va bien, merci, j'ai la pêche. Oui, Fun, l'image est pas top, pourquoi? Parce que je suis entre guillemets condamné à être bridé au PAL. Le PAL c'est quoi? C'est... Alors normalement c'est 50 images secondes, mais j'aimais que 30 sur Twitch. Là il y a un bridage volontaire de ma part, mais j'ai pas vraiment du 720p. J'ai un faux 720p, mais je me retrouve tout à égalité. C'est-à-dire ma PS2, ma PS3 et mon PC sont à égalité. Le gain de cette manip super chiante, là où j'ai tiré plein de câbles ces dernières heures chez moi, c'est qu'il n'y aura plus de latence. Ça répond très vite au niveau du chat par rapport au signal vidéo, et j'ai plus de latence au niveau des jeux. On a fait Aran tout à l'heure, Dying Light. C'était... Alors il y avait un petit léger flou, mais c'était pas les saccades horribles d'il y a 15 jours. Ce qui veut dire que j'ai pu me poser de questions sur la puissance du jeu. Si j'arrive à jouer moi depuis chez moi, que je vois que le signal est bon, vous, votre signal il sera forcément bon. Mais vous aurez quelque chose d'entre guillemets de dégradé. Oui, il arrivait par là-bas. Vous aurez quelque chose. Oh là, les zombies font peur. Là, vous avez entendu les zombies. Là, on est d'accord, Christella. Tu les entends, les. Ouais. Les zombies. Ça veut dire que t'as le son du jeu. Oh, Zex de Citron, tu t'es fait embarquer. T'es éliminé. Désolé, Zex. Oui, on est d'accord. Merci, Christella. Donc là-dessus, c'est nickel. Donc, pour revenir à ta question, Fun, que c'est, l'image n'est pas trop belle, c'est parce que il y a un bridage, mais c'est mon fait. Mais moi, ça me simplifie complètement la vie. Peu importe ma source, que ce soit PS2, PS3 ou le PC, maintenant je branche et ça marche. C'est là l'acronyme plug and play en anglais dans l'informatique, brancher et ça marche. Une solution clé en main. D'ailleurs, je pourrais entre guillemets diffuser d'autres trucs plus tard, puisque j'arrive à tout balancer en PAL sur vous, sur Twitch. Je pourrais peut-être maintenant avoir des consoles ou je sais pas quoi, un autre truc. Je me pose même plus la question. Je branche, je m'assure que ça émet à 50 images secondes au minimum. Et vous avez du 30 images secondes, mais ça fait un truc bien. Ah, tu préfères quand c'était un PC, Fun? Oh. Mais alors, bien plus tard, dans le futur, si j'ai moyen d'investir dans un autre petit PC, mais pas portable, je pourrais éventuellement intégrer ma carte d'acquisition HDMI, et là, vous aurez un truc 720p véritable. Mais plus tard, là, j'ai pas les moyens, et puis de toute façon, voilà. Hein, bon, le moment est pas venu, et j'ai fait pas mal de manip. Nah. Oh, c'est un roster qui a le record local sur la chaîne, en 2-20. Eh bien... Bébé. Ah, bien que c'était là. Bon, le record local n'est pas battu. Hein. Il le garde. Aeroster, son record. Ah, on y est presque. Encore deux petites courses et à mon avis, j'ai mon quatrième emplacement. Et on passera sous Linux. Ou Minecraft pour la suite des tests. Ah, mais je suis 11 cm à le record. Sur Shattered Dreams, c'est 11 cm qu'elle record. Elle est bien bonne. Tu pourras nous faire une soirée cassette VHS. Oui, bah c'est dans l'ambiance. C'est limite si je pourrais pas vous mettre une mire. Et encore, si la captation foire, j'ai les colonnes en couleur avec indiqué pâle. Donc c'est quasiment une mire en fait que j'ai naturellement dans le dispositif de capture. On y est. Ce soir, je vous offre une antenne râteau pour mieux me capter. Nostalgie des années 90. Le truc nap. Oui, bref, ça va se lancer. Ouais, j'ai encore gardé ma tablette pour voir mon retour Minecraft tout à l'heure. Et puis après, je pourrais l'éteindre. Et puis, je ferai peut-être un truc normal d'ici 11h, 11h30. Je reviendrai sur une diffusion normale. Je ferai peut-être justement les zombies. Je reviendrai à Aran. Ça fait un petit moment que j'ai pas...
j'ai pas joué aux zombies. La preuve, tout à l'heure, je recherchais mes touches. Oui, l'antenne râteau et la télé avec du catholique aussi, j'espère. Ouais. Ah là là, le temps où c'était le... C'était un jeu en soi, pour ceux qui le vivaient bien dans les foyers, surtout quand vous étiez gamin. Enfin, on est de la même génération. Pour qu'il n'y ait plus de neige sur l'écran, et que le son soit bon sans grésillement. C'était une époque. Mais c'est vrai que j'entrais de l'école, c'est limite si je me disais pas, tiens, papa, je vais lui mettre sa télé, je vais le battre ce soir pour qu'il y ait un bon signal au dîner. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance, du coup, c'est rigolo. C'est rigolo. Bang, 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 bang. Ah, c'est rigolo d'avoir la caméra braquée sur le leader. Qui est le Coyote 90, pour le moment. Oh, le record de 11 cm risque de tomber. Il est tombé. C'est le Coyote qui a pris sa place. Ah, ah. Tu as été battu, monsieur 11 cm. Alors, attends, moi je suis... Ah, ça y est, tout le monde arrive. Ouais. Bah, Torota, t'es où? Ah, t'arrives seulement. J'ai une copine, n'est plus où. Oh, c'est dégueulasse! Il me manque 4 points d'expérience! C'est dégueulasse! Pour avoir mon bonus. Allez, c'est la dernière, c'est la bonne. Et c'est là où il me donne juste 3 points d'expérience. Là, je... J'ai fusillé, je... Allez, point d'exclamation, play pour la... Théoriquement, la dernière. Ah, Bob Morlock a le record en 2... Deux... Oh, le record du monde qui est sous la minute. C'est complètement craqué du slip le truc. Ah bah si tout le monde est là, je vais abréger, je vais dire Star Now. Hein. Moi j'ai oublié personne. Clac 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 clac. Ouais, apparemment tout le monde est là. On va économiser 30 secondes. Aïe, je me fais mal à la patte. Attends, un invité, pas que fan. Voilà, Christella par exemple. Ah, l'effet bois ronce de noyer, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Sympa la texture. La texture qui me fait penser à de la cannelle. Oh! Oh la vache, les propulsions des billes. Alors Torota éliminé, désolé. Attends, je regarde par rapport à la tablette le décalage que j'ai. Ah ouais, il est de 2 secondes maximum. Il n'y a même pas 3 secondes de décalage. Ça me fait bizarre d'être à jour dans le signal. Avant, j'avais 10 secondes de décalage. Ça fait trop bizarre. Cousin, comment ça va? Cousin Rio. Oh la vache, vous êtes neuf. Merci à vous d'être là. Oh là là, j'avais pas vu que mon compteur de spectateurs s'était affolé. Oh, j'ai gagné. Honteusement, j'ai gagné.
Ah, l'ami de Le Coyote qui est un peu à la bourre. Mais ça devrait le faire, je pense. Ouais, c'est bon. C'est les affaires. Ouais, ça va, c'est cool. Bah, tous dans l'ensemble, on va bien. Il y a Poupon tout à l'heure qui était passé, qui était un peu crevé, mais vu tout ce qu'il a fait en semaine, ça n'a rien d'étonnant. Ah, j'ai mes petits points, merci. Merci tout le monde, on va dévoiler un quatrième emplacement de Bibi. Challenge complete. Menu des courses. Et là, il va mettre 3 heures à... Non, ça va. Je parlais mal, j'étais méchant. Home. Récompense. Cling. Ah, c'est par palier. Ah, c'est limité. Quand j'en aurai 8, j'aurai atteint le 8e palier, j'aurai pu... Et ce sera pièce sonnante et trébuchante qu'il faudra... Oh, la pompe à fric, les salauds, jamais. Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Il faut que j'aille dans shop et que je déverrouille un emplacement. Ouais, j'en ai 95. Oui, je vais en acheter un. Oui. Ce qui fait que... Voilà, j'en ai libéré. L'œil de Sauron, on l'a pas mis. Mais non, mais l'œil de Sauron, patate. Merci. Random mesh. Oui, mais je peux pas tout faire, je crois. Ouais, non. Non. Non, la forme, ça s'achète aussi. La forme, je sais plus si où la forme. Dire que tu veux acheter une forme de... Non, ça, c'est les effets spéciaux. Une carte. Ah. Comment on fait pour changer la forme, je sais plus. Ah, c'est ça. Strawberries. Yeah. Voilà. Attends. Si je vire ça et que je dis strawberry. Mais non, pourquoi je peux pas? Ah, j'ai pas acheté l'option, je crois. J'avais souvenir d'avoir vu une option où c'était... Oui, mais je peux pas dire que je veux la forme fraise. Non, je peux pas apparemment. On va laisser par défaut. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage. C'est où que j'avais vu le coup on achète la... Alors là, c'est là où vous voyez la pompe à fric, vous voyez. Pour acheter des jetons, et ils abusent, $150. Je suis pas Jeff Bezos. Aïe. Je rezappe dans le bazar pour réviser. Map de communauté, machin. Non, mais c'est dans le tableau shop. C'est juste que je me... Ah, c'est ça, c'est les formes. Oh, 200. Et puis il faut arriver au moment où elle est proposée. Non, mais c'est une escroquerie, ce jeu. Ce jeu est une escroquerie généralisée. Je suis pas prêt d'avoir ma bille en forme de fraise, moi. Ce qui vous empêchera pas de ramener la vôtre. Ça parle mal. Non, j'ai peur de casser le... Bon, allez, Alt F4. On continue les tests, hein, change pas de catégorie. Oui, tu peux lurker, ton retard, y'a pas de soucis. Oui, c'est une tuerie. Oui, ouais, oui, merci, cousin Rio. Ouais, j'ai fait les réglages pour... Minecraft, j'avais dit. J'avais dit que je voulais tester Minecraft. D'ailleurs, le Game Ranger, il va passer là. Vous voyez bien les icônes du coup du bureau. La musique, elle est trop bien. Ah! Connection.
Nous allons tester. Ah, voilà, mise à jour. Vous avez vu la barre en bas, il téléchargeait un truc. Bah alors, il en met du temps pour démarrer. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, il se fait désirer. Tiens, vous avez la mire. Ah, vous avez eu la mire. C'est drôle. Le signal pâle. Ah, il y a personne, c'est scandaleux. Non, je déconne. Alors, c'est fluide ou c'est pas fluide? Ouh, ça a pas l'air de... Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que ça charge. Je vais faire l'horrible F3 pour voir mes images secondes. J'ai 10 images secondes, pardon. Attends, il charge la carte, rassure-moi. Ah oui, ça monte en puissance. Je remonte à 20 images secondes. Hein? Pourquoi? Ah, 30 images secondes. Attends, je vais aller dans un plumard et ça va peut-être décongestionner le truc. Au départ, ça peut arriver. Bah. Comment ça, je suis vidé à... Pourquoi j'ai pas mes 30 images secondes? Ah ah, trop nuque. Je te reconnais bien, là. Bien joué, Fanfan. Oh, le chenapan. Oh, et ça rame sous Minecraft. La merde, là. Alors, vous, c'est fluide, mais vous avez pas vraiment 30 images secondes, vous voyez, parce que moi, j'en ai que 25. C'est bizarre, ça. Ouais. Ah, 60 images. Mais pourquoi il fait un rafraîchissement à 60? Ah oui, bah oui, l'actuel. Ah, ce sera beaucoup plus. Salut. Bonjour Mario Sky, comment ça va? Excuse-moi, je t'ai pas salué hier soir. J'ai vu que tu m'as fait un hommage, merci. Mais j'étais crevé, l'heure était pas possible. Et j'étais encore dans mes tests, je suis encore ce matin. Mais j'espère que tu vas bien, Mario Sky. 30 images secondes, ouais. Parce que je peux pas mettre 60 images secondes, c'est complètement pété. On va voir. Oula. Et vous avez eu la mire, je l'ai vu sur mon retour. Alors attends. Oula, là j'ai eu 50 images secondes. Oula. Là pour vous ça va être ultra fluide. On est voir. On voit l'orage de déclenché par Fanfan. Eh, excellent test, l'orage. La pluie. On est d'accord, elle est fluide, la pluie, pour vous. Eh, la pluie, elle est nickel. Non, là, vous avez les 30 images secondes. Et le jeu, lui, de mon côté, est bridé à 50. Là, j'ai du vrai pâle, pour le coup, comme si j'étais sur console. Oui, ton idée, elle est bonne. C'est bien pour la fluidité, l'orage, mon fan, merci. Ouais, la pluie est fluide, ouais. C'est cool, hein. On va voir très rapidement les enfers. Oh, la poutre, c'est cool, hein. Elle m'a fait peur, ce truc. On va aller rapidement en enfer. Merde, j'ai pas de sel. Bah, tiens, c'est un cheval sans nom. Allez, bien fait pour ma tronche. Je vais aller sous l'orage à pied. Quitte à me faire foudroyer. Ouch.
Ça fait peur, il y a peur. Ah bah, hé. Ouais, je veux un wagonnet. Je veux un wagonnet. Le chemin sera fait automatiquement. Le son de Minecraft n'est pas trop fort, ça va. Ça m'a l'air correct, hein, mais... Comme la balance de son de chaque jeu est indépendante, il faut pas hésiter à me signaler un peu trop fort. Je vais mettre mon bouclier, on sait jamais. Parce que c'est vrai que j'ai une petite armure en fer. J'ai pas la coule en diamant. Là. Ah ah, ça bougeait. Vacarme du chariot à mine. Je pense que vous m'aviez même plus entendu. Je suis un abruti, moi j'ai intérêt à récupérer mon chariot, oui. Je vais pas le laisser là. Autant le remettre sur les hauteurs. Ah, l'orage est passé. Laisser le chariot à disposition. Ah bah voilà, là il y en a plein. Ouais, on voit que j'ai creusé la carrière ces derniers jours, hein. Il y a quasiment plus de sable. De temps en temps ça descend d'une couche. Je me défoule le temps d'un soir, ça fait du bien. Ah, vous allez entendre le carillon d'ici une minute. Juste voir les enfers. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'affichage. Ouais, j'ai à peine 2 secondes de décalage grand maximum. Oh, c'est trop bizarre d'être... Ah, merci pour les soupes. Ouais, sauf que là, j'ai pas faim dans le jeu, mais ça reviendra. D'ailleurs, attends, est-ce que mon inventaire, ouais, il est vide? Parce que si tu balances tout... Non, économise tes points, fun, parce que je suis seul connecté, hein, regarde. Il y a que moi. Il y a que moi de connecté, donc... gâche pas tes points. C'est gentil, merci. Oh. Quelle étrange idée d'utiliser du bois dans les enfers. C'est tellement pas courant. Forteresse du Nether vient vous wagonner. Moi je dis bravo Torota. Nash aussi, je crois qu'il a œuvré aussi. Ah, ça m'est mou, ça. Oh, bizarre. Bon bref, c'était un test. Heureux Torota. Oui, merci, parce que voilà, je mettais en lumière ton boulot. Bon, bah c'est cool. Visiblement, ça reste fluide tout près. Ça me rassure. Je vais sauvegarder, je sais pas où. Bah, dans ma demeure la plus proche. Je vais momentanément couper mon direct.
pour me remettre en mode normal, déclaré normal, et je vais me faire 2 petites heures de Dying Light. L'autre jour, j'ai eu une sacrée frousse, je suis tombé nez à nez avec un fantôme. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes, ça fait bien flipper. Ouais, là, ma demeure qu'il faudra que je meuble. On voit que j'ai aménagé il y a peu. Il y a quasiment rien. Bon, il y a des chats partout, ça par contre, ça c'est... Avec moi, c'est imparable. Donc j'ai mis un coup dans le parquet. Ah, il a pas de nom, lui. Le siamois, je devrais l'appeler. Alors, le cadeau à Fenfan, la soupe de champignons, je vais la garder là, on sait jamais, un jour j'en aurai sûrement besoin. Si voilà, si j'arrive à déposer. Et je vais me déconnecter ici. Voilà. Le test est concluant, c'est cool. Alors j'anticipe, je relance. Le 11 février, moi qui la première fois. Je vais relancer Dying Light et le temps qu'il se relance, je vais arrêter mon direct pour le remettre la bonne catégorie. J'ai deux trucs coupés en deux moi dans mes enregistrements. Voilà. Sur le la grosse boîte qui me sert de pupitre. Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Arran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène.